Ou alors je voulais faire un joli générique, où un peu à chaque fois qu'il le revoit, le spectateur le voit pas de la même manière, parce qu'entre le générique de début et celui de fin, il se sera peut-être ouvert sur le monde. Waouh putain cette loose! Fait admissible numéro 1, les biatchs sur la pub n'ont rien à voir avec le shampoing Axe. Par contre fait admis par moldure subjective. Kevin achète du Axe, il trouve qu'il sent bon maintenant, il gagne de la confiance en lui, il pécho. Qu'est-ce que ça prouve? Juste le pouvoir de l'auto-persuasion, on y reviendra bien sûr, c'est vaste mais tu peux le lier avec l'effet placebo si tu veux pour l'instant. Revenons à la pub. Tu sais qu'elle a un effet, sinon il n'y en aurait pas partout. Ah mais toi tu dépasses tout ça, ah d'accord. Toi qui bandes plus facilement grâce aux images Photoshop et toi qui te fais plus facilement convaincre par des documentaires, quand c'est bien monté slash tape à l'œil. Toi qui regardes Alain Soral comme le nouveau messie. Ah voilà, ça c'est comme tu dis, hein. Alors j'ai enquêté sans a priori ni préjugés. Je m'égare en conscience mais revenons au sujet. Ok. Partout l'imagement, c'est la puissance du faux utilisé par le capitalisme. À toi de prendre ce qu'il y a à prendre de réflexion. À rejeter ce qu'il y a de manipulation intéressée. Pour faire la comparaison, on pourrait dire que pour l'écrit, l'apprentissage était obligatoire, c'est pas inné la lecture, mais l'esprit critique quand tu lis ton journal et ta site. Au final peut-être qu'une grande proportion va en acheter qu'un seul, son journal. Maintenant dans cette société de communauté ultra connectée, il n'y a plus trois avis sur lesquels exercer son esprit critique, mais potentiellement des milliers, avec chacun son parti pris et pour le spectateur plus aucun repère plus poussé que son bon sens et son recul supposé. L'esprit critique est d'autant plus tacite qu'à l'écrit. Fait admissible numéro 2, regarde ce que te dit l'image pas ce qu'elle est. C'est pas différent d'un discours, écrit, juste plus complexe, plus efficace, on bascule d'une manière incalculablement plus facile dans la soupe donc. Prendre du recul sur les images finalement comme un discours écrit mais en conscience, reconnaître les trucages, au moins se poser la question. Vérifier les sources d'autant plus que la falsification se facilite non? Extrapoler le discours à ce qui semble être en jeu. Paradoxalement bouffer de l'info en masse amène à l'expression commune. Voler du temps de cerveau. L'image parle d'elle-même, maintenant reconnaît le contenu neutre et le contenu imagé du vide glorifié. Tout ça finalement pourquoi? Parce que la forme est trompeuse, elle maquille le fond. Photoshop démocratise le faux. C'est pas pour autant qu'il faut voir des complots cachés partout. Mais surtout putain ne pas tomber dans le Captain Constat SVP.